village de Champfromier, l'eau est à l'origine de nombreux aménagements et activités. Moulin à farine, scierie, turbine électrique. L'eau a fourni son énergie à l'économie locale au cours de l'histoire. Au début du XXe siècle, la municipalité de Champfromier décida la construction d'un moulin à farine à proximité du pont du tramway et du vieux pont d'enfer. Ce pont doit son nom au massacre des Franc-Comtois par les Français en 1639, lorsque ces derniers jetèrent leurs ennemis par-dessus le parapet. Un barrage sur la Wolferine alimentait une conduite forcée. L'eau sous pression actionnait une turbine qui entraînait un système de câbles. Ce procédé télémécanique, assez archaïque, utilisé à Bellegarde dès 1871, servit à actionner le moulin jusque dans les années 50.